honorons ta présence, magnifique Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Dieu. Nous te célébrons. Esprit de Dieu, magnifique Saint-Esprit. Nous aimons ta présence. Nous te célébrons. Esprit de Dieu, tu as traversé le ciel. Tu es venu habiter en nous. Nous honorons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous chérissons ta présence. Nous honorons ta présence, Esprit de Dieu, nous aimons ta présence. Nous adorons ta majesté, nous célébrons ta présence. Magnifique Esprit de Dieu. Alléluia! Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir chers auditeurs et auditrices de la radio Sion. Vous qui nous suivez sur les différents canaux, notamment YouTube, Télélanga et Facebook, nous vous souhaitons la bienvenue pour l'heure de la prière. Alors ce soir, en ce début de semaine, nous voulons prendre le temps de remercier Dieu, de lui dire merci pour tous ses bienfaits. Alors là où nous sommes, mon frère, ma sœur, prenons le temps plus que jamais de disposer nos cœurs. Élève la voix et commence simplement à lui parler. Prends le temps d'élever la voix, prends le temps de l'apprécier, prends le temps de le chérir. Prends le temps de créer une atmosphère favorable autour de toi. Prends le temps, élève la voix. Le kabaro shande le brosit, zindoro ba shana nesaya, era babaraba, shande le brosit abare. Prends le temps mon frère, prends le temps ma sœur, crée une atmosphère favorable autour de toi. Prends le temps ce soir, prends le temps, shana le se karamane. Le brocose tere rebo chantere, indere rebo sayaraba, le braba brabo bo chanane, zinoro bo chanane saya, rekaba choro setea, mande le bo sia, ika mane sa roche, reba ba ba ba, chore ke tere reba sa. Shota, oh Sharana, ensemble, nous sommes là pour soupirer, oh nous sommes là pour lui, nous sommes là pour le paix. Prends le temps de te disposer. Prends le temps de te recueillir dans sa glorieuse et présence, et dans sa magnifique présence. Prends le temps de soupirer, prends le temps de te disposer. C'est par des soupirs inexprimables que le Père par son esprit intercède. Tu es digne.
ma sœur, élève la voix et dis: notre Père est digne de gloire, notre Dieu est digne d'honneur. Tu es digne, tu es digne, notre Père et notre Dieu. Tu es digne, notre Père et notre Dieu. Chandelé les brosité, rababaroshite. Nous disons tu es digne. Nous prenons le temps de te reconnaître, en Père. Nous prenons le temps de reconnaître un chandana bros. Charosité, tu es digne. Nous prenons le temps de reconnaître, agneau de Dieu, tu es digne d'être loué. Ce soir, je veux chanter tes louanges. Prends le temps, mon frère, ma sœur, de pouvoir chanter les louanges du Seigneur. Ah, oh, 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 je veux chanter. Chanter les brosiques, chanter les brosiques. Tes louanges tous les jours de nos vies. Chorobacité, loué dans sa nom. Je veux chanter. Chanter les brosiques. Tes louanges, oh Dieu de gloire. Chanter les que tout ce qui respire loue le Seigneur. Chantez tes louanges, l'expression de nos cœurs ce soir. Oh, louez, louez, je veux chanter tes louanges, Seigneur. Chalala brosi, alala massé. Je veux chanter de tout cœur, de toute âme, de toutes mes forces. Loué dans sa nom, loué dans sa nom. Ce soir, je veux chanter. Je veux chanter tes louanges chaque jour de nos vies. Permets-nous encore de reconnaître, de t'apprécier. Je
tu es en train de prendre le temps de l'apprécier, de le chérir ce soir. Je veux chanter. Est-ce que tu es en train de lui parler, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu prends le temps de chérir la magnifique et glorieuse présence de notre Dieu par le Saint-Esprit? Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur. Prends le temps, réconso. Mandele de vos cités, mandele de vos saïabarabosités. Ce n'est pas le temps de se taire, mon frère. Ce n'est pas le temps de rester tranquille, ma soeur. Prends le temps de lui parler. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites. Prends le temps de parler. Dis notre Père. Prends le temps d'apprécier le Père, d'apprécier le Fils, d'apprécier la magnifique et glorieuse présence du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, chale les brosa. Oh, robo bo chite les brosite. Mande les bos, chale les brosia. Et la raba bo chine les brosia. Oh, alléluia. Oh, Dieu. Alléluia, oh.
dans le monde, prends le temps de reconnaître combien notre Dieu est bon. Oh, alléluia, Dieu est bon. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Oh, chané, nous rendons gloire à notre Seigneur pour sa bonté. Nous prenons le temps de l'apprécier. Alléluia, alléluia. Laisse-le te remplir de sa présence. Laisse le Père par son esprit te remplir de sa joie. Oh, ce soir, alléluia. Partout dans le monde, que les justes reconnaissent combien notre Dieu est bon. Combien il est bon. Chalelebosia, alléluia. Élève la voix, mon frère, ma soeur. Prends le temps. Prends le temps d'apprécier.
la présence magnifique et glorieuse de notre Père. Et ensemble, d'un commun accord ce soir, nous disons Amen. Mon frère, ma soeur, comme nous l'avons compris ce soir, nous revenons au pied du Maître pour lui retourner des actions de grâce. Selon qu'il est écrit dans Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Nous voulons prendre le temps de dire merci au Père pour la vie qu'il nous a accordée, afin que nous puissions vaquer à toutes nos occupations. Ensemble, nous allons dire Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as accordé afin que nous puissions vaquer à nos occupations. Mon frère, ma sœur, élève la voix et prends le temps de remercier le Père. Prends le temps de lui dire merci. Assurément, tu es sorti, tu es allé au marché, tu es allé au boulot. Le Seigneur t'a fait la grâce de sortir. Il t'a fait la grâce de revenir. Tu es sorti pour aller à ton lieu d'examen. Le Seigneur t'a fait la grâce de rentrer. Alors, mon frère, ma sœur, élève la voix. Notre Père prend plaisir aux actions de grâce. Prends le temps d'élever la voix et de remercier le Père dans le nom puissant de Christ Jésus. Abba, notre Père, Abba, notre Dieu, nous venons ce soir avec gratitude, avec reconnaissance. Au-devant de toi, nous venons pour exprimer, nous venons pour reconnaître qu'aujourd'hui encore, tu nous as accordé plus que jamais la vie. Et à travers cette vie, tu nous as fait la grâce pour que nous puissions vaquer à nos occupations. C'est la raison pour laquelle nous sommes reconnaissants. Ne prenons rien pour acquis, ne prenons rien pour mérite, ne prenons rien pour habitude. La vie que nous avons reçue de toi, Père, vaut mieux que la nourriture et le corps est plus que les vêtements. La raison pour laquelle nous te rendons grâce, c'est parce que c'est par tes bontés que nous jouissons de la vie. C'est par elle que nous pouvons encore brief, que nous pouvons encore respirer. Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, nous venons te remercier. Nous venons te dire merci. Merci Père pour la manifestation de ta bonté et de ta fidélité en cette journée. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de remercier le Père? Il t'a accordé sa vie, il a été fidèle, il a été bon. Élève la voix, remercie le Père. Nous ne lui dirons jamais assez merci. Prends le temps, mon frère, prends le temps, ma soeur. Remercie le Père, remercie le Père. Au nom de Christ Jésus, par l'Esprit, rends grâce à Dieu. Les actions de grâce conservent ce que Dieu nous donne. Les actions de grâce multiplient encore davantage ce que le Seigneur fait dans nos vies. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur. Ce n'est pas le temps de rester tranquille, ce n'est pas le temps de s'éteindre. C'est le temps de remercier le Père, c'est le temps de lui dire merci. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants pour la vie donnée, pour la capacité de pouvoir vaquer à nos occupations. Merci, notre Père et notre Dieu. En cette journée, tu as manifesté ta bonté et ta fidélité. Abba, notre Père, Abba, notre Dieu, nous sommes reconnaissants dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous avons rendu grâce au Père avec action de grâce et reconnaissance. Ensemble, en commun accord, nous disons Amen. Mon frère, ma soeur, nous poursuivons ce soir dans les actions de grâce. Il est écrit dans Psaume 121, verset 3, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme », montrant ainsi que le Seigneur, tout au long de cette journée, nous a préservés. Et ensemble, nous allons dire « Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce de ce que tu nous as gardé de tout mal tout au long de cette journée ». Alors mon frère, ma soeur, élève la voix, prends le temps de remercier le Père pour la sécurité qu'il nous a accordé, la protection divine, la paix. Élève la voix, ces choses ont été notre partage. Mon frère, prends le temps, je t'en supplie, prends le temps de remercier le Père par l'assistance de son esprit. Au nom de Christ Jésus, mon frère, ma soeur, élève la voix, prends
protection divine. Dis-lui merci pour la sécurité. Dis-lui merci pour la paix. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Prends le temps de remercier Dieu. Prends le temps de lui dire merci. Prends le temps d'apprécier. Prends le temps de reconnaître. Oui, notre Père et notre Dieu, merci pour la tranquillité. Merci pour la sécurité dans nos vies, dans nos familles, dans nos territoires, dans nos activités, dans nos villes, dans notre arrondissement, dans notre pays. Tu l'as fait et nous sommes reconnaissants. Tu as fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Notre Père et notre Dieu, nous venons te remercier. Chaka tevere bobobobobobosa, le brokotozo, chandebele, i proposo katera bosate, kene kamotozea, i nevere kojia i teze, otokazia otozo. Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu, mon frère? Est-ce que tu es en train de dire merci? Élève la voix, élève la voix. Prends le temps de remercier le Père par l'assistance de son esprit. C'est dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous avons pris le temps de remercier le Père. Et d'un commun accord ensemble, nous disons amen. Mon frère, ma sœur, ce soir nous prenons le temps de remercier le Père. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait dans nos vies. La Bible montre dans le livre de Romains chapitre 5 au verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous voulons prendre le temps de bénir le Père pour son grand amour qu'il a manifesté envers les hommes sur la terre en sacrifiant Jésus alors que nous étions encore des pécheurs. Alors ensemble, nous allons dire Père, nous te bénissons pour ton grand amour manifesté envers les hommes sur la terre en sacrifiant Jésus alors que nous étions encore des pécheurs. Mon frère, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Prends le temps de dire merci au Père, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié celui qu'il avait le plus cher. Parlant de Jésus le Christ, mon frère, ma soeur, est-ce que tu prends le temps de reconnaître? Est-ce que tu prends le temps de réaliser? Est-ce que tu prends le temps de valoriser l'œuvre que le Christ a accomplie pour chacun d'entre nous? Nous étions séparés de lui, nous étions éloignés, nous étions étrangers, mais à cause de l'œuvre que le Christ a accomplie, la Bible montre que le Père a tant aimé le monde. Il a sacrifié Jésus afin que tout homme, afin que quiconque croit en son nom, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie en lui, la vie éternelle. Zoé, la vie de Dieu. Désormais, nous avons la vie de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, élève la voix, prends le temps de remercier le Père, prends le temps de remercier Dieu. Tu as reçu la capacité de Dieu désormais de pouvoir expérimenter et de vivre sa vie. Les hommes étaient séparés de Dieu à cause du péché. Ils étaient éloignés de Dieu à cause de la désobéissance d'Adam et aussi à cause de l'obéissance d'un seul homme, Jésus le Christ. La Bible dit qu'il a été soumis, il a été obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Il a subi, il a connu toutes choses, mon frère, ma soeur. Il a connu toutes choses pour toi, pour moi. Lui qui était l'égal de Dieu, mais il s'est humilié pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. Il était semblable à un agneau qu'on conduisait à l'abattoir. Il n'a pas ouvert la bouche, il ne s'est pas justifié. Il a fait pour toi, il a fait pour moi. Alors élève la voix, prends le temps de remercier le Père. Notre Père et notre Dieu, tu as pris notre place. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu l'as fait par amour. L'homme était condamné à subir, l'homme était condamné à souffrir, mais tu as porté les souffrances, tu as porté les douleurs à notre place. Tu ne t'es pas limité là par tes meurtrissures. Nous sommes guéris par tes meurtrissures. Nous avons déjà été guéris il y a 2000 ans. Merci pour cette œuvre qui a été manifestée en Jésus le Christ. Il y a 2000 ans, pour chacune de nos vies, nous sommes reconnaissants. Cette œuvre manifestée afin de sauver tout être humain sur la terre. Non, les hommes ne sont plus désespérés. Un puissant sauveur nous avait été donné il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, quiconque croit en lui ne périt pas, mais a la vie.
vie de Dieu, reçois la vie de Dieu. Mon frère, ma soeur, élève la voix, prends le temps de remercier le Père, prends le temps de lui dire merci ce matin. Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu, mon frère? Il a connu la honte, il a connu l'humiliation, il a connu le rejet à ta place, mon frère, ma soeur. Tu n'es plus rejeté, tu n'es plus orphelin. Jésus le Christ, par son œuvre, désormais, a fait de nous les enfants de Dieu. Nous avons un Père, comme il a dit, dites notre Père, à cause de l'œuvre qu'il était sur le point d'accomplir. Et il y a 2000 ans, mon frère, ma soeur, il a accompli pour toi et pour moi. Et cette œuvre est valable aujourd'hui seulement. Alors élevons la voix, prends le temps de dire merci, prends le temps d'apprécier, prends le temps de reconnaître. Nous ne lui dirons jamais assez merci, à savoir cette œuvre que l'apôtre Paul pouvait prêcher. Christ crucifié, Christ enseveli, Christ ressuscité des morts, Christ glorifié, et Père Seigneur, assis à la droite du Père. Oh Rekoshoto, Lambro Kazekete, Libro Kotobasia, Inoborose Aiketese. Mon frère, il s'est écrié, tout est accompli pour toi, tout est accompli pour moi. Toutes les choses que nous ne pouvions pas faire, il l'a fait pour nous. Tout ce que nous ne pouvions pas faire pour plaire à Dieu, il l'a fait pour toi et pour moi. Alors élève la voix, prends le temps, prends le temps, prends le temps de remercier, prends le temps de dire merci. Rokoto Borobo Shetekere, Ineberebosia, Rokoto Borobo Shite, Barekotose Aitezea, Orekete Barossi Aitezea. C'est dans le nom puissant, puissant, magnifique et glorieux de Jésus le Christ que nous avons béni le nom du Père. Et ensemble, d'un commun accord, nous disons Amen. Mon frère, ma soeur, comme nous l'avons compris, nous poursuivons dans les actions de grâce. À cause de l'œuvre que Christ a accomplie, nous sommes désormais appelés temple de Dieu, palais de Dieu, demeure du Seigneur. Et il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ces choses, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur des humains, mais que Dieu en réserve pour ceux qui l'aiment, c'est-à-dire pour toi et pour moi. Ensemble, nous allons lire Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour le Saint-Esprit qui nous rend conscients de toutes les ressources que Dieu nous a données afin que nous les utilisions pour faire le bien. Alors mon frère, ma soeur, élève la voix, prends le temps de remercier le Père dans le nom puissant de Christ Jésus. Le Seigneur nous a équipés, le Seigneur nous a remplis de potentiel, de dons et de talents. C'est pour que nous puissions faire du bien autour de nous, faire du bien. Mon frère, prends le temps de remercier le Père. Il ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a équipés, il nous a remplis et nous sommes reconnaissants, reconnaissants, reconnaissants. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Charebro basite berebosite, kare koto zaheta ose aiketeze, charoba osite, manderebro shite lebosikete berebo shandereve, lebrobobobo rekosete berebo shende lebrobobose, manderebo shikete lebrekosete, handoro sia heketere, mandorobo sia. Merci pour toutes les ressources que tu as placé, que tu as mis à l'intérieur de nous pour faire du bien. Oh Abba, notre Père et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, reconnaissants dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous avons pris le temps de remercier le Père avec action de grâce et avec foi au nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous disons Amen. Mon frère, ma soeur, nous poursuivons dans les actions de grâce pour le Saint-Esprit cette fois-ci, qui a rendu les juifs dans le monde conscients que c'est lui qui a établi les cinq ministères, c'est-à-dire les diacres, les anciens, afin de leur enseigner la parole. Dieu, pour qu'il enseigne les hommes, il utilise des hommes. Alors, ensemble, nous allons prendre le temps de remercier le Père et dire « Père, nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ ». Pour le Saint-Esprit
qui a rendu les justes dans le monde conscients que c'est lui qui a établi les cinq ministères, les diacres, les anciens, afin de leur enseigner la parole. Mon frère, ma sœur, prends le temps d'élever la voix. Dieu avait déjà promis que je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. Il est fidèle à sa parole, c'est pourquoi il a établi les cinq ministères, que ce soit l'apostolat, que ce soit les prophètes, que ce soit les pasteurs, les évangélistes. Prends le temps, prends le temps, prends le temps, prends le temps de pouvoir reconnaître. Prends le temps de dire merci à Dieu pour la conscience qu'il a accordée aux justes, de pouvoir apprécier, de pouvoir réaliser, de pouvoir valoriser. Mon frère, est-ce que tu es en train de prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit? Si aujourd'hui, toi et moi, nous avons pu comprendre certaines choses, c'est uniquement parce que le Seigneur, un jour, a utilisé, a établi les cinq ministères pour pouvoir enseigner la parole aux personnes que nous sommes. Prends le temps de dire merci à Dieu. Prends le temps, mon frère, ma soeur. Dieu prend le temps plus que jamais de nous enseigner. Prends le temps, prends le temps, prends le temps. Charebo robo si kabarebo site. Mande de robo bobo 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 site. Hane kase katera o se ketere o sea. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié le Père et rendu grâce ensemble. D'un commun accord, nous disons Amen. Mon frère, ma sœur, ce soir nous poursuivons dans les actions de grâce. Cette fois-ci pour le Saint-Esprit qui a rendu les justes dans le monde conscients que Dieu ne leur enseignera pas tout directement, mais il passera aussi par des hommes et femmes qu'il a mis autour d'eux. Mais encore, que malgré leur éloquence, leur zèle, leur intelligence, ils ont besoin d'être enseignés sur les vérités de la parole. Ça veut dire que la parole, c'est tout ce qui compte pour la vie d'un juste sur la terre. Alors ensemble, allons dire « Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci pour le Saint-Esprit qui a rendu les justes dans le monde conscients que Dieu ne leur enseignera pas tout directement. » Mais il passera aussi par les hommes et femmes qu'il a mis autour d'eux. Mon frère, ma sœur, élève la voix. Prends le temps, 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 prends le temps de remercier le Père. Prends le temps de remercier le Père. Prends le temps de dire merci à Dieu. Prends le temps de dire merci à Dieu ce soir. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Abba, notre Père, nous sommes reconnaissants. Reconnaissant pour la conscience que tu as accordée aux justes, que tu ne leur enseigneras pas tout directement, mais tu passeras aussi par les hommes et les femmes que tu as mis autour d'eux. Mais encore, Seigneur, que malgré leur éloquence, malgré leur zèle, malgré leur intelligence, ils ont besoin d'être enseignés sur les vérités de la parole. Alors notre Père et notre Dieu, nous te remercions. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants. Nous venons pour reconnaître, nous venons pour apprécier, nous venons pour dire merci. Abba notre Père, Abba notre Dieu, dans le nom puissant de Christ Jésus. Shamro koto barekoto stima osikate. Nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu. Nous sommes reconnaissants. Reçois donc, nous te prions, des actions de grâce. Reçois tout honneur, reçois nos acclamations maintenant, 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 dans le nom puissant de Christ Jésus. Prends le temps, prends le temps, prends le temps d'acclamer. Prends le temps d'honorer, prends le temps, prends le temps. Chante les bros, cite les bobo, bo, chite, hé, nande les bobo, chite. Oh, nous t'honorons. Prends le temps d'honorer, nous t'honorons. Esprit Saint, nous t'honorons, nous t'honorons. Oh, nous t'honorons. Esprit Saint, prends le temps de reconnaître, nous t'honorons. Oh, oh, nous t'honorons. Nous t'honorons. Oh, 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 ce soir nous prenons le temps de t'honorer. Esprit Saint, chant de l'hébrosité. Ce soir nous t'honorons. Oh,
notre Dieu encore ce soir. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons rendu grâce au Père. Et ensemble, nous disons Amen. Mon frère, ma sœur, Jésus pouvait dire, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu est venu vers vous. Cela veut dire que nous voulons prendre maintenant le temps de détruire toutes les œuvres des ténèbres. Ces œuvres des ténèbres qui veulent influencer et empêcher les justes à travers le monde d'être conscients de l'importance des relations. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors ensemble, nous allons dire dans le nom de Jésus-Christ, nous renversons les raisonnements et les systèmes de pensée qui poussent les justes à croire qu'ils peuvent comprendre toute la parole de Dieu par eux-mêmes. Mon frère, ma soeur, élève la voix. Dieu a besoin, si Dieu veut nous enseigner la parole, il utilise toujours des hommes pour pouvoir nous communiquer la parole. Élève la voix, prends le temps, prends le temps, prends le temps. Prends le temps, prends le temps, prends le temps ce soir de renverser tous les faux raisonnements qui poussent les justes à croire qu'ils peuvent par eux-mêmes comprendre toute la parole. Non, même l'apôtre Paul a eu besoin qu'il soit enseigné pendant 2 années. Il a été enseigné, montrant ainsi que tout ce que nous pouvons transmettre, il y a certainement quelqu'un qui est passé par là avant nous, que le Seigneur utilisera pour pouvoir nous enseigner la parole. L'apôtre Paul l'a fait aussi avec Timothée. Mon frère, ma sœur, on ne peut pas avoir toute la connaissance. Dieu utilisera toujours, toujours et à toujours les hommes pour pouvoir nous communiquer sa pensée, pour pouvoir nous communiquer sa parole. Alors élève la voix, mon frère. Est-ce que tu es en train de prendre le temps? Est-ce que tu es en train de prendre le temps? Prends le temps de renverser ces systèmes de pensée dans le nom puissant de Christ Jésus. Rabaché Gete, Lamrokotoborob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 
dans le nom suprême de Christ Jésus. C'est avec foi que nous avons fait prier et nous croyons que cela est accompli. Au nom de Jésus-Christ, ensemble nous disons Amen. Mon frère, ma sœur, nous poursuivons dans la destruction des œuvres des ténèbres. Nous n'ignorons pas ses desseins. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 10, au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, mon frère, ma sœur, la raison pour laquelle nous poursuivons dans la destruction des œuvres des ténèbres, c'est parce que nous croyons qu'ils ne pourront pas nuire à notre vie. Ensemble, nous allons dire « Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous détruisons toutes les œuvres des ténèbres se manifestant par l'esprit d'orgueil qui pousse les justes à ne pas écouter, qui pousse les justes à ne pas s'humilier devant les autorités que Dieu a établies pour leur enseigner la parole. » Élève la voix, mon frère, ma sœur. Prends le temps, prends le temps, prends le temps, prends le temps. Il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Prends le temps de renverser, prends le temps de détruire toutes les œuvres des ténèbres qui se manifestent par l'esprit d'orgueil. Mon frère, ma sœur, toutes les fois qu'un homme devient orgueilleux, c'est Dieu qui le résiste. Le diable veut prendre congé. Non, nous refusons. Il n'y a point de repos pour les méchants. Il n'y a point de repos pour les méchants. Élève la voix. Le procosia y désert. Chaque Réosia, prends le temps de renverser, prends le temps de détruire toutes les œuvres de l'esprit d'orgueil qui poussent les justes à mépriser, qui poussent les justes à ne pas s'humilier devant les autorités, alors que le Seigneur veut que nous puissions honorer, que nous puissions servir nos autorités. La Brocotomasia Icosea, Chekeverebosia, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train, plus que jamais, de détruire toutes les œuvres de l'esprit d'orgueil, Rob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 
diable, quelle qu'elle soit, est-ce que tu es en train de détruire? Est-ce que tu es en train de renverser? Est-ce que tu es en train de ruiner tous les plans des ténèbres qui poussent les justes? Oh, arrêtez-y à itézé, accepter ou à croire tous les enseignements sans discernement. Corécotosea, au nom suprême de Christ Jésus, que toutes ces œuvres ce soir soient détruites, soient renversées. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons prié et d'un commun accord ensemble, nous disons Amen. Mon frère, ma sœur, nous poursuivons dans la destruction des œuvres des ténèbres. Mais cette fois-ci, les œuvres des ténèbres qui poussent les justes à délaisser, qui poussent les justes à ne pas lire et méditer la parole de Dieu. Alors qu'il est écrit que ce livre de la loi ne se lane point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, montrant qu'ainsi que la réussite du juste sur la terre, c'est dans la méditation de la parole du Seigneur. Alors ensemble, nous allons dire Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous détruisons toutes les œuvres des ténèbres qui poussent les justes à délaisser, à ne pas lire et méditer la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, élève la voix, élève la voix. C'est maintenant qu'il faut prendre le temps. Tu te poses des fois des questions. Pourquoi je n'arrive pas à méditer? Pourquoi je n'arrive pas à prier? Pourquoi? C'est maintenant le temps. La réponse de Dieu, c'est l'influence des ténèbres. L'être humain que nous sommes, les justes, se nourrissent uniquement de la parole. Selon qu'il est écrit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de prendre le temps de détruire toutes les œuvres des ténèbres? Que toutes les œuvres des ténèbres, quelles qu'elles soient, qui poussent les justes à délaisser, qui poussent les justes à ne pas lire ou à méditer la parole de Dieu, soient renversées dans le nom de Christ Jésus. Alors que le Père a dit que toutes choses ont été faites par la parole, le royaume des ténèbres veut plus que jamais influencer ou empêcher les justes de méditer, de prier ce soir par l'autorité qui nous est donnée au nom de Christ Jésus et par la puissance du sang de Jésus. Nous détruisons toutes les œuvres des ténèbres. Nous détruisons toutes les œuvres des ténèbres, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient, par la puissance et l'autorité du nom de Christ Jésus. Avec foi et avec action de grâce, nous croyons que cela est fait. Alors mon frère, ma sœur, prends le temps d'acclamer Dieu s'il te plaît. Prends le temps de l'acclamer, notre Dieu et notre Père nous fait toujours, toujours triompher en son nom. Nous avons la victoire par son sang et par la parole de notre témoignage. Est-ce que tu prends le temps? Prends le temps, prends le temps, prends le temps, prends le temps. Choroba osite ekateme rebosia. Prends le temps, prends le temps, prends le temps, prends le temps, prends le temps. Choroba osite rekobate maziko rotosea inebe rebosite erakoto borobobobo zibro shaye. C'est dans le nom de Christ Jésus. Nous avons pris le temps de remercier le Père et ensemble nous disons Amen. Amen. Mon frère, ma sœur, à présent, nous voulons prendre le temps de recommander cette nuit à la grâce du Seigneur. Il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, au verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Alors ensemble, nous allons dire « Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous recommandons cette nuit, nous recommandons nos vies, nous recommandons nos familles, nous recommandons nos territoires à la grâce de Dieu. » Et nous déclarons que nous nous réfugions dans le nom de Jésus et que nous sommes en sûreté et qu'aucun malheur ne nous arrivera. Élève la voix, mon frère, ma sœur. Prends le temps de recommander la nuit entre les mains du Seigneur. Prends le temps de recommander la nuit à la grâce de Dieu. Est-ce que tu es en train de recommander? Est-ce que tu es en train de recommander la nuit? Charo katera bozadea itezea. Robo borobo shite, kariko tozo, mazia iteze kete berebosha, mambro toze, ah notre Père et notre Dieu, nous recommandons cette nuit, nous recommandons nos vies, nous recommandons
recommandons nos familles, nous recommandons nos territoires à ta grâce et nous déclarons que nous nous refugions dans le nom de Jésus et nous confessons, nous déclarons que nous sommes en sûreté et qu'aucun malheur ne nous arrivera, aucun malheur ne s'approchera de notre tente. Nous déclarons ces choses, nous décrétons ces choses. Que rekoto barosia et barekotosea ikazia itese o rokoto borobobo shite au nom suprême de Christ Jésus, que toutes les terreurs de la nuit ne pourront rien contre nous, rien du tout contre nous, parce que nous croyons que nous nous sommes en sûreté et qu'aucun malheur ne nous arrivera dans le nom suprême de Christ Jésus. Avec foi, avec action de grâce, nous avons pris le temps de recommander cette nuit. Et ensemble, nous avons recommandé et nous disons amen. Mon frère, ma sœur, nous l'avons compris, nous arrivons à la fin de ces moments. Nous voulons prendre le temps de remercier le Père. Il est écrit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, montrant qu'ainsi que le Seigneur a entendu nos prières et de ce qui nous exauce. Ensemble, nous élevons nos voix partout où nous sommes et commençons à rendre grâce à Dieu. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma sœur, rends grâce à Dieu. » Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Charo baro boro bo cité, ibaro cité, mandele bobo cité, kere masia otozo, robo bobo bobo cité, katele bo cité, rabo bobo bo cité. Nous te disons merci pour ces moments, pour la plénitude de ton esprit. Abba, merci pour la direction de l'esprit. Abba, merci pour la capacité que tu nous as donnée. Merci de nous avoir donné d'être puissamment fortifiés dans notre âme intérieure. Nous sommes reconnaissants. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur que tu as rendu capable ce soir de se connecter. Alors reçois, 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 oh Dieu, reçois, nous te supplions, reçois nos actions de grâce. Reçois, nous te supplions, reçois nos actions de grâce. Reçois, Abba, nous te supplions. Abba, nous te demandons de recevoir. Choroba Osite, reçois ce soir. Oh, est-ce que les justes dans le monde peuvent fermenter un parfum de gratitude? Choroba Osite, fais monter ta reconnaissance, fais monter ta gratitude, fais monter, fais monter, fais monter, fais monter, Charosia, fais monter ta gratitude ce soir. Reçois la gloire à ma paix. Reçois la gloire, nous te demandons. Est-ce que nous pouvons fermenter un parfum d'acclamation? Acclame, 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 acclame. Acclame le nom de Jésus. Pousse tes cris de triomphe. Pousse tes cris de joie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons pris le temps d'honorer sa présence. Et ensemble, d'un commun accord, nous disons amen.